Bonjour à vous messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Dark Souls Remastered. Pourquoi? Parce que je vais me lancer un défi extraordinaire, c'est terminer Dark Souls. Alors, la question est, je le fais en live ou est-ce que je le fais en off? Et là j'ai Street of Rage 4 qui vient de s'afficher et qui me casse mon intro. Bref. Un grand défi pour moi, Dark Souls, je vais m'arracher tous les cheveux de la tête. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse en off ou est-ce que vous voulez qu'on le fasse en live? Le poll est dans la description, à vous de voter. Je vous fais un petit teaser quand même sur ce jeu extraordinaire. Je ne vais pas le découvrir puisque j'y ai joué 3 heures sur PS3, mais comme vous le savez, sur PS3, il est optimisé... comme il est très mal optimisé, voilà, clairement on va dire les choses. Le jeu est à 15 FPS, c'est une horreur, donc on est dans les meilleures conditions pour jouer à ce Dark Souls. Maintenant, est-ce que vous voulez me voir en train de me tirer les cheveux et les arracher jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucun seul poil sur le caillou? À vous de me dire si on le fait en off ou en live. Un petit teaser sur le jeu. Hop, 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 on va choisir déjà, on va l'appeler WAM, bien entendu. Alors comment on fait les majuscules sur cette console? Merde, on va l'appeler WAM. Ok, le sexe, non, dans la classe, le sexe, un homme. On prend un homme ou une femme? Un homme, bien sûr. La classe, un chevalier, un voleur, un guerrier, on va mettre. C'est comme ça qu'on joue à Dark Souls. Le don, anneau du petit être, anneau tribal spécial augmente légèrement les PV. Cadeau d'une sorcière sans aucun pouvoir, ouvre toute serrure basique, permet d'observer les endroits distants. Petit esprit parfois trouvé sur les carcasses. Explose à l'impact, plus dangereux qu'une bombe. Élixir d'eau divine, restaure entièrement les PV et le statut. On va prendre ça. Physique, mince. Il était comme ça, moyen. On va mettre mince. Émacié, muscle. Ok, on va le mettre moyen. D'accord. Le visage. Le visage d'un routier. Oh my god, ces graphismes. Ça fait peur, hein. Bon, on va pas perdre Milan. Voyageur oriental. Routier. Routurier, qu'est-ce que je dis routier? Ok, cheveux. On va prendre les cheveux longs. Et couleur des cheveux. On va le mettre un peu châtain. Très bien. Accepté. C'est parti. Bienvenue dans Dark Souls. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold. Life and death. And of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith, an
and her daughters of chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. Gwyn's mighty bolts peeled apart their stone skins. The witches weaved great firestorms. Nito unleashed a miasma of death and disease. The scales betrayed his own, and the dragons were no more. Thus began the Age of Fire. But soon the flames will fade, and only dark will remain. Even now, there are only embers, and man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen carriers of the accursed dark side. Alors déjà, pour les temps de chargement, est-ce qu'ils vont améliorer les choses? Je ne sais pas. Nous sommes bien en 60 FPS. C'était la crainte que j'avais. The dark sign brands the undead. And in this land, je sais pas si les effets de lumière ont été améliorés ou pas. The undead are corralled and led to the north. They are locked away to await the end of the world. This is your fate. Donc le moteur déjà était très beau sur PS3, c'est pour ça que ça ramait. Je suis en mort-vivant là, j'ai l'impression. Alors, c'est parti. Fouiller le cadavre. J'ai la clé des oubliettes. Très bien. Est-ce que j'ai une épée? J'ai une épée cassée, en fait. Très bien. Ouvrir. Mais ça fait plaisir de voir tourner ce Dark Souls. Ah oui, d'accord, il y a les spectres. Parce qu'on est en ligne. Alors, on va avancer. Il est mort. Oui, j'ai récupéré une âme. Toucher le sang, c'est pour voir comment lui il est mort. Il y en a un qui est mort avec le premier mob, sans déconner. Attaque puissante.
Il est mort. Parfait. Sprint. Ok. Verrouiller la cible. Ok. Parfait. Mais il est easy ce jeu en fait. Il est easy. Il est vraiment easy. En tout cas, ça fait plaisir de le voir tourner à cette vitesse là. Hein. Je vous le dis sincèrement. Il n'y a rien de spécial ici. Repos près du feu pour le rétablissement. Voilà. Embrasé. Donc pour sauter, c'était deux fois. Oh putain! Oh putain! Ça, c'est Dark Souls. Je l'ai pas vu venir. Ok, 4 de dégâts. J'aurais pu le buter ou pas? J'aurais pu le buter, je crois. Ça commence bien. J'ai déjà fui mon premier. Récupérez votre bouclier. Il est où le bouclier? Est-ce qu'il y a un mob quelque part? Oh putain. Ok, le bouclier, comment je le mets? D'accord, la pose n'est pas possible. Donc inventaire. Changer d'équipement. Je suis toujours in game en fait. Hein. Bouclier. Donc comment ça marche le bouclier? Ça c'est pour équiper et déséquiper. Voilà. Viens là, mon chacal, t'as vu? Allez, tu fuis un chacalus. Épée longue, très bien, on va l'équiper. Alors, épée longue à la place de celle-là. Parfait, on est équipé. Lire le message. Attention, gauche, droite, devant. J'ai plus de santé, moi. Je ferais mieux d'aller... Je ferais mieux d'aller récupérer... ma santé dans le dernier feu de camp. Si jamais il y a. Oui. Comment je fais pour grimper, là? Ok, ça va pour les temps de chargement, ça va vite. Hein. Ça va très vite. Il a pris cher avec les stocks. Très bien. Alors... J'arrive où maintenant? Je crois que j'arrive à l'endroit où il y avait le boss, non?
Oh putain, l'enculé! Putain, j'ai plus de vie déjà. C'est verrouillé. Il faut que je trouve une clé. Et j'ai la moitié de ma vie. Là, je suis dans la merde. D'accord, je reviens ici en fait. Bon, ce jeu sauvegarde tout le temps. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a un passage? Ils disent pas, il y a un mécanisme qui bloque là. Hein. Verrouillé par un genre de mécanisme. Bon ben j'ai pas le choix. Ah, je suis obligé d'y aller en fait. Alors, pas en arrière et roulade. Alors si je fais ça, voilà, pas en arrière. D'accord, ça c'est toutes ces techniques de combat tout ça. Oh, il y a un soldat blessé ici. Comment on fait pour aller le voir? Sanity. I wish to ask something of you. You and I, we're both undead. Hear me out, will you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family. Thou who art undead art chosen. And thine exodus from the undead asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringeth the bell of awakening, fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Estus flask. An undead favorite. Ah, les fioles d'Estus, magnifique. Vous savez que les fioles d'Estus, je les ai jamais récupérées, hein. Dans ma partie, c'est peut-être pour ça que je galérais autant. Alors, fiole d'Estus, je vais les équiper. Changer d'équipement. Non, ça c'est quoi? Bénédiction divine, j'en ai que deux. Fiole d'Estus, il faut que je fasse quoi pour les mettre? Alors. Voilà. Plus les fioles d'Estus, elles se rechargent à chaque fois. Et ici, il y avait quoi de ce côté-là? Attention, gauche et droite, devant. Est-ce que c'est un backstab ça? J'ai l'impression que les backstabs. En fait, j'arrivais de là. Et le mécanisme, est-ce qu'il est ici? Là, il y a quoi? On peut détruire ce mur là, non? Non. Mur illusoire droit devant. Très bien. C'est faux. Il n'y a pas de mur illusoire. Menteur droit devant. Excellent. Parfait. Alors, on va grimper ici. Comment je fais pour monter? Je peux pas monter là.
peux pas monter. Ça se voit que je découvre, hein, clairement. J'y avais joué il y a très très longtemps. Donc là, je vais essayer de monter. Pas passer. Ok, j'ai eu la clé. Manier arme main droite à deux mains. Alors attendez. Pour manier à deux mains, Y. Donc si je fais le Y, je tiens maintenant l'épée à deux mains. Mais je peux plus me protéger. Ou alors comme ça. D'accord. Ensuite, frapper. Attaque plongeante, frapper. Très bien. Et après, le repos près du feu ravive les ennemis. J'ai bien compris. Alors, comment ça marche le... Ok, je vais essayer d'en buter un. J'aimerais bien faire le coup des stocks là. Je sais pas faire le coup... le backstab. Comment on fait le backstab, putain? Oh putain, je l'ai pas vu venir, lui. Je ne sais pas faire le backstab. Alors, pendant la chute... RB pendant la chute pour l'attaque plongeante. C'est parti. Je crois qu'on est prêt pour le boss. Parfait, on lui a enlevé la moitié de sa vie rien qu'avec cette attaque. C'est parti, boss, 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 les gars. Ok. Oh là là. Comment je prends les... D'accord, c'est comme ça. Très bien. Putain. Ah, démon du refuge, il a presque plus de vie là déjà. Oh, il me défonce. Parfait, il est mort. J'ai très très mal joué, mais il est mort. J'ai récupéré la clé du pèlerin. Humanité, ça y est. Alors ça dit quoi? Piège, préparez-vous. Oh là là. Bon, la porte s'est ouverte. On va sortir. On va se reposer. Par contre, la porte s'est ouverte. Ah oui, mais la clé c'est pour la porte d'en face. Allons-y. Bien joué, continuez droit devant, merci bien. Lui, il est mort ici. Parfait. Attention, menteur droit devant.
stated. But one day an undead shall be chosen. To leave the undead asylum in pilgrimage. To the land of the ancient lords. Lordran. Allez, je suis redevenu humain. On va se laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez au poll dans la description. Un sondage. Vous allez voter pour savoir si on fait le jeu en live ou en off. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt sur Dark Souls.